Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Le Retour à la Parole de Dieu. Je suis votre frère dans la foi Christ et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons encore partager la parole de Dieu dans l'optique de nous réveiller, de nous éveiller par rapport au retour du Seigneur. Je vous invite à nous recueillir dans la prière un instant pour que Dieu prenne le contrôle de ces moments. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège que tu nous fais encore ce soir de parler de toi, Seigneur. Ma prière, ô Dieu, c'est que tu parles à nos cœurs, c'est que tu nous éveilles, que tu nous réveilles par rapport à ton retour. Je prie pour toutes les personnes qui suivront ce message. Père, que ta parole interpelle leur cœur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, ce soir, on va partager la parole de Dieu, vraiment encore pour nous interpeller, pour nous encourager, pour ceux qui sont déjà dans la foi, les encourager à persévérer, et pour ceux qui ont abandonné le Seigneur, pour les encourager à se relever, et pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, et les encourager à faire la paix avec Dieu. Donc, ce soir, on va parler de la fin des temps, mais on verra juste les grandes lignes, les grands aspects liés à la fin des temps, on parlera des signes. Parce que frère, plus le temps passe, on se rend compte de la véracité des Écritures. Plus le temps passe, on se rend compte que tout ce que Jésus a prédit est réel. Parce que Jésus a vécu dans les premiers siècles de notre ère, donc à l'an 30, l'an 33, il est décédé. Et aujourd'hui, au 21e siècle, plus de 1900 ans plus tard, on se rend compte que tout ce qu'il disait, qu'il annonçait comme prophétie, s'accomplit. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, on va encore partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, on va prendre un passage dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du premier verset. Donc on est dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du premier verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant sur leur propre convoitise. Verset 4, ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Verset 6. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres,
Il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Pierre qui, lors dont ça devient épître, interpelle les chrétiens, interpelle les disciples de Jésus et interpelle aussi les hommes, l'humanité tout entière par rapport au retour du Seigneur. Alors on va ensemble examiner en détail cette lettre pour voir ce qu'il ressort. Alors à partir du premier verset, on constate déjà une chose. Il dit, voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, votre saine intelligence. Il parle ici du fait du verbe éveiller, éveiller. C'est quoi le fait d'éveiller quelqu'un? C'est le fait, n'est-ce pas, de le sortir d'un état de sommeil. C'est le fait de sortir quelqu'un d'un état, n'est-ce pas, d'assoupissement. C'est le fait de sortir quelqu'un d'un état, n'est-ce pas, de relâchement. C'est le fait de sortir quelqu'un d'un état de sommeil, de tiédeur. Voilà, pour éveiller, n'est-ce pas, pour réveiller sa conscience. Et si Pierre, l'apôtre Pierre, veut réveiller la conscience des hommes par rapport à un événement qui est, pour moi, pour les chrétiens, l'événement le plus important, l'avènement du Seigneur. Donc il dit, dans l'une et dans l'autre, Dieu cherche à éveiller par des avertissements. Pourquoi des avertissements? On avertit quelqu'un parce que devant il y a un danger. On avertit quelqu'un parce que devant il y a un trou. On avertit quelqu'un parce que devant il y a un fossé. Alors si Pierre ici, l'apôtre, nous donne des avertissements, c'est parce qu'il est conscient de la réalité qu'il y a devant. Cette réalité est double. D'une part, le retour du Seigneur. D'autre part, les temps ardents de feu et de soufre, qu'on appelle communément l'enfer. Alors, par rapport au retour du Seigneur, ici, il nous apprend que dans les derniers jours, n'est-ce pas, certains caractères, certains comportements seront manifestes, seront manifestés. Dans le verset 2 d'abord, il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Donc, les saints prophètes de la Bible, en leur temps, provenaient déjà les hommes par rapport à ces choses, par rapport au retour du Seigneur, par rapport, n'est-ce pas, à les temps ardents de feu et de soufre. Mais même à leur temps, les hommes vivaient comme ils voulaient. Les hommes rejetaient cette parole. Les hommes, n'est-ce pas, ne prêtaient pas attention à ce que ces prophètes disaient. Alors même que les prophéties, n'est-ce pas, qu'ils ont données, ont eu leur accomplissement, certes partiel, mais elles continuent à s'accomplir. Donc, il dit que ces choses ont été annoncées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc, au-delà de prophètes, il y a aussi les apôtres de Christ, les apôtres qui ont marché avec lui et qui ont marché après lui, qui ont continué à interpeller les hommes par rapport au péché, interpeller les hommes par rapport à la sainteté. Interpeller les hommes par rapport à renoncer ou renoncement aux œuvres mortes, interpeller les hommes par rapport à la foi authentique, la foi véritable, basée sur la personne de Jésus. Parce que depuis leur temps déjà, ils étaient conscients de ces réalités. Que plusieurs, n'est-ce pas, prêchaient plusieurs fois. La foi au pasteur, la foi aux assemblées, n'est-ce pas, la foi en des religions. Mais les apôtres de Christ, ils ont prêché la foi authentique. Celle qui est basée, qui est fondée, qui naît de la parole véritable. Fais ta foi, mon frère, si ta foi, ma soeur, toi qui m'écoutes, monsieur, madame, si ta foi est basée sur un pasteur, sur un homme, sur une religion, si ta foi est basée sur viens à Jésus pour le mariage, viens à Jésus pour le travail, ta foi est vaine. Parce que la foi authentique, la foi véritable, c'est cette foi qui est bâtie, basée sur la personne de Jésus. Alléluia. Donc c'est vraiment ça la foi authentique. Et verset 3, il commence à nous interpeller. Il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant sur leur propre convoitise. Donc on apprend ici deux réalités. Que les derniers jours sont manifestes, ou les derniers sont caractérisés par quoi? Par l'avènement des moqueurs. Et ces moqueurs, ils viennent avec quoi? Avec des railleries. Les railleries, c'est l'image des moqueries, du rire. Il se rit de qui? Il se rit des chrétiens. Parce que lorsque les chrétiens se lèvent pour prêcher l'évangile, ces moqueurs rient.
Oh, vous êtes des blagueurs. Jésus ne fait que dire qu'il revient. Il va revenir quand? Donc, les temps de la fin ou les derniers jours, les derniers jours sont marqués par l'avènement des moqueurs. Et ces moqueurs, n'est-ce pas, ils se rient des chrétiens. Ils se rient de ces hommes qui veulent se mettre à part pour le Seigneur. Donc, frère, excusez-moi, donc, frère, toi qui as donné ton cœur à Jésus, toi qui as donné ta vie au Seigneur, si tes voisins, ton entourage se moquent de toi, ça ne doit pas t'attrister. Mais tu dois par contre réaliser que nous sommes dans les derniers jours. Parce que c'est un signe des derniers jours, les railleries. Et ils marchent selon leur propre convoitise. C'est quoi la convoitise? C'est le fait de désirer l'interdit. Et on apprend que ces moqueurs, ils marchent selon leur propre convoitise. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont autant de copines qu'ils veulent. Ils mentent comme ils veulent. Ils se livrent au sexe, ils se livrent à la débauche, à l'ivrognerie, ils se livrent à l'impudicité, ils se livrent à la haine, à la méchanceté, ils se livrent à l'amour de luxe, à l'amour de l'argent. On dit qu'ils marchent selon leur propre convoitise. On le voit de plus en plus dans notre génération. Des hommes qui font ce qu'ils veulent. C'est des générations coubolos, c'est des générations qui se livrent à la drogue, au chanvre, au sexe et à tellement de vices. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon leur propre convoitise, ou si on veut, ils marchent selon leur propre désir. Une fois leur désir leur demande, n'est-ce pas, de violer, ils violent. Leur désir se porte vers la haine, la méchanceté, vers le vol, vers, n'est-ce pas, les divisions, vers la religion. Ils s'adonnent à ces choses. Frère, sœur, toi qui me regardes, sache que nous sommes vraiment à la fin. Et ces signes-là, n'est-ce pas, nous parlent de la fin des temps. Alors, verset 4, on apprend notre réalité. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et ces hommes, justement, pour eux, la parole de Dieu est mensonge. Alors, ils disent, non, Jésus a dit qu'il allait revenir. Depuis que les pères, nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors qu'ici, Pierre nous interpelle sur un fait. Que ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Donc ici, qu'est-ce que Pierre fait? Il nous ramène à l'histoire de Noé. Il nous dit, certes, Dieu a créé le ciel et la terre, les cieux et la terre, mais à cause de la croissance du péché, à cause de la croissance du mal, à cause du fait que l'homme, le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le péché, à cause du fait, n'est-ce pas, que l'homme mangeait, dormait, se rouvait dans le péché, Dieu avait envoyé le déluge. Donc la terre avait été détruite. Pierre ici nous rappelle que le même Dieu qui a frappé la terre par les eaux du déluge est le même Dieu qu'on prie. Donc si au temps de Noé, n'est-ce pas, il a pu frapper la terre par les déluges, c'est le même Dieu. Il accomplit sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, frère. Donc, et au verset 6, on apprend que c'est par ces choses, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Verset 7, mais par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc ici, on apprend une chose nouvelle. Toi qui aimes le monde, pour toi qui t'attaches à la musique du monde, à cette musique, n'est-ce pas, qui incite au sexe, qui incite à la rébellion. Pour toi, n'est-ce pas, qui t'attache aux vêtements, aux chaussures, aux biens de ce monde. On apprend une réalité qui est vraie, qui est spirituelle. C'est que les cieux d'à présent et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jugement. Et Jésus pouvait le dire, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il va perdre son âme? Donc on apprend ici que l'âme, notre âme, est plus importante, n'est-ce pas, que le monde, que les biens de ce monde, que l'argent, que les femmes, que le travail, que le mariage, que les enfants, notre âme, notre salut est plus important que ces choses. Donc ici, frère, c'est une réalité. Les cieux et la terre sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement. Donc si tu t'attaches à la terre, ta condition c'est laquelle? C'est que tu vas être jugé. Si tu t'attaches au monde, ta condition c'est laquelle? C'est que lorsque la terre et les cieux seront, n'est-ce pas, réservé, envoyé dans le feu, dans le temps ardent de feu et de soufre, tu iras avec eux. C'est pourquoi toi qui as baissé les bras dans la prière,
Toi qui t'es relâché dans la méditation de la parole, toi qui as baissé dans la sainteté, sache que Jésus te tend encore la main aujourd'hui. Et pour toi qui te dis non, Jésus est une fantaisie, que Jésus n'est pas une réalité, n'est pas vrai. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu n'es pas descendant de la guenon du singe. Sache que si tu vis chaque jour, si tu respires, c'est qu'il y a un être au-dessus de nous. Yahweh, le Créateur, le Père éternel qui t'accorde la vie. Et si le Père nous accorde la vie, frère, c'est pour régler nos voies. Je ne parle pas comme étant meilleur. Chaque jour, je me bats pour ma vie. Chaque jour, je me bats pour mon salut. Mais j'essaierai avec humilité interpeller les hommes et les femmes, interpeller les nations, interpeller tous ceux qui suivent à revenir au Père. Donc ici, Pierre nous apprend une réalité, que la terre et le ciel sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, qu'est-ce qu'un homme impie? D'abord, l'impiété, c'est le contraire de la piété. Et l'impiété nous parle de la méchanceté. L'impiété nous parle de tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. L'impiété nous parle, n'est-ce pas, de l'amour du mal. Nous parle du mal, nous parle des ténèbres. L'impiété, n'est-ce pas, nous parle de tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, comment un homme peut-il être un impie? Comment un homme, une créature de Dieu, peut-elle, n'est-ce pas, devenir impie? Mais c'est en menant une vie qui est contraire à la parole de Dieu. C'est en marchant consciemment dans le péché, et en sachant que Dieu a en horreur le mal. Quand tu vis consciemment dans le péché, lorsque tu fais des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu n'agrée pas, tu es considéré comme étant un impie. Alors on a deux catégories d'impies, ou plusieurs catégories. On a les inconvertis. Donc par leur refus de croire en Jésus, par leur refus de se soumettre à la parole de Dieu, ils sont considérés comme étant impies. Mais on a aussi des pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont des impies. Parce que justement, au lieu d'être des modèles, des exemples pour le peuple de Dieu, ces pasteurs sont dans le vol, ils violent, ils couchent avec les jeunes filles, n'est-ce pas? Ils ne sont pas, à cause de le nom du Seigneur est blasphémé. Ces pasteurs sont des impies. Des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui s'écartent de la vérité. Ils prêchent un évangile vivante, ils prêchent un évangile, n'est-ce pas, qui s'éloigne du royaume de Dieu. C'est des impies. Voilà. Et à côté d'eux, n'est-ce pas, on a tous ces religieux, toutes ces religions, n'est-ce pas, qui n'ont pas pour fondement Jésus. Toutes ces religions sont des religions impies. Le catholicisme est une religion impie. L'islam, le bouddhi, le njembe, toutes ces religions et ces sectes sont des sectes et des religions impies parce que Jésus n'est pas à l'intérieur. Alors j'aimerais t'interpeller, toi qui crois à Marie, toi qui crois à Bouddha, à Mohamed, j'aimerais t'interpeller à sortir de là. Parce que la vie, le salut se trouve en Jésus seul. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, frère. Alors ici, on nous parle de la ruine des hommes impies. On a vu que les inconvertis sont des impies. On a vu que même ceux qui ont rencontré Jésus et qui s'éloignent, qui s'écartent de la sainteté, de la vie de Dieu, sont considérés comme étant des impies. On a ces choristes dans les assemblées qui couchent entre eux. Le chef de la chorale a peut-être trois petits amis dans la chorale. Ça là, c'est des impies. C'est des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui renient Dieu, qui renient la parole de Dieu. On a, n'est-ce pas, toutes ces religions, ces sectes. Voilà. Donc quand Jésus reviendra, c'est non seulement pour juger le monde, pour juger, n'est-ce pas, le ciel et la terre, pour condamner, n'est-ce pas, la terre, mais aussi pour condamner tous les impies. Alors, toi qui m'écoutes, ne faisons pas partie de cette race des impies. Aujourd'hui, la grâce est encore disponible, mais demain, il pourra être trop tard. Tu vis aujourd'hui parce que Dieu t'accorde la vie. Tu vis aujourd'hui parce que Dieu est bon. Beaucoup sont décédés ce matin, beaucoup sont décédés hier. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes qui sont décédées. Réalisons la bonté de Dieu. Réalisons le bras tendu de Dieu. Alléluia. Donc ici, on voit qu'il va venir, n'est-ce pas, pour juger les impies. Pour juger les impies. Pour juger les impies. Ne soyons pas des impies par notre vie. Ne soyons pas des impies par notre façon de marcher. Jésus nous aime. L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile de condamnation. C'est un évangile qui nous éveille, qui nous amène à comprendre que le chemin sur lequel on marche est un mauvais chemin. On doit revenir à la parole.
comme le titre de l'émission l'indique, le retour à la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu, retourner à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est revenir à la sainteté de Dieu. Revenir à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est revenir à la soumission et une obéissance totale à la parole de Dieu. 90% de Jésus, 10% du monde, ce n'est pas la parole de Dieu. Un peu Jésus, un peu la coutume, un peu la tradition, un peu la religion, un peu la sorcellerie, ce n'est pas Jésus. Jésus est saint, Jésus est pur. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc au verset 8, « Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ici, on apprend une chose qui est vraie. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Chez nous, un jour, il est égal à 24 heures. Mais on apprend que chez Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Regardez la grandeur de Dieu. Regardez la passion de Dieu. Si un jour équivaut, n'est-ce pas, si un jour, n'est-ce pas, est égal à 1 à 1000 ans, imaginez-vous combien de jours on vit par année. Il y a combien de jours dans l'année? Il y a combien de jours depuis, n'est-ce pas, que nous vivons? Combien de jours sont passés? Donc, combien de millénaires d'années sont passés pour Dieu? Regardez combien il est patient. Regardez comment Dieu est patient. Dieu est si bon pour nous. Ne résistons pas à l'appel de Dieu. Peu importe là où tu te trouves, si tu réalises que ta vie est déchirée, si tu réalises que ton cœur est blessé, si tu réalises que tu es fatigué de ta vie, si tu es fatigué de la vie que tu mènes, c'est le temps de revenir à ton Créateur. Parce que Jésus te tend la main encore ce soir. On est au verset 9. Et on apprend une autre réalité spirituelle. C'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors toi qui t'es dit, non, Dieu est faible. Depuis là, il ne revient pas. Pourquoi? Ici, tu as la réponse à ta question. On dit que le Père éternel, que Jésus, que le Dieu créateur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un le croit. Il y a beaucoup qui croient que Dieu est tard. Il ne tarde pas, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Mais on dit que pourquoi il n'est pas encore revenu? C'est parce que simplement, il use de patience envers nous les hommes. Parce que dans la pensée de Dieu, il ne veut qu'aucun homme périsse. Donc pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est parce que simplement, il veut que toi et moi rentrions dans l'arche. Il veut que tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore rentrés dans l'arche aient accès à l'arche. L'arche, l'image du salut, l'image de la délivrance, l'image du ciel. Alors aussi, on est sur la fin des temps. Alléluia. Et on voit que par rapport à la fin des temps, il y a des signaux que Dieu nous donne. On a vu les moqueurs qui viennent avec leur raillerie. On a vu qu'ils marchent, n'est-ce pas, selon les désirs, les pensées de leur cœur. On dit quoi? On a vu quoi? On a vu qu'ils, n'est-ce pas, font de la parole de Dieu mensonge. Ils s'attachent au monde. Ils s'attachent, n'est-ce pas, à leur chair, à leur passion. Et ici, on apprend que le Seigneur est toujours à l'heure, qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dieu est bon. Dieu est bon. Peu importe ton péché. Je vais m'adresser à toutes ces personnes qui se disent: j'ai beaucoup péché. Le Seigneur ne peut pas me pardonner. Je me rappelle une femme dans la Bible qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle méritait d'être lapidée. Mais Jésus est venu nous amener dans une nouvelle dimension, à une nouvelle ère, l'ère de la grâce. La grâce nous parle de quoi? De la miséricorde. La grâce nous parle de quoi? Elle nous parle du pardon des péchés. Mais elle nous parle aussi du jugement de Dieu. Mais elle nous parle de la miséricorde. Il n'a pas tenu compte du péché de cette dame. Il a dit à cette femme: moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc pour toi qui as pratiqué les avortements, pour toi homme qui a pratiqué les avortements de ta copine, pour toi n'est-ce pas qui a tué, qui a fait beaucoup de mal, qui a mangé les gens en vampire, sache qu'aujourd'hui tu connais la solution à ta vie et ton péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, au verset 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, une autre réalité, comme vous le savez, aucun voleur ne peut pas, ne peut prévenir, n'est-ce pas, à sa victime quand il viendra. Simplement, c'est cette image que Dieu veut nous donner. Que le Seigneur viendra comme un voleur. Donc, il ne va pas nous prévenir. Il viendra nous surprendre. Quand je dis nous surprendre, c'est surprendre tous ceux qui ne sont pas attachés à sa parole. Parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas surpris. Parce qu'on n'est pas dans les ténèbres, on est dans la lumière. Sa lumière nous éclaire. Alors sa lumière, parce qu'elle nous éclaire, parce qu'elle est en nous, n'est-ce pas? Elle nous, on peut comprendre. On saura que le Seigneur est en train de revenir. Il y viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre va être consumée. On dit que les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront brutalement. Oh, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est terrible, c'est redoutable. C'est un jour, n'est-ce pas, de terreur, comme nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi il est temps de régler sa vie avec le Seigneur. Il est temps de revenir à la crainte de Dieu véritable. Il est temps, n'est-ce pas, de fuir complètement le péché. Il est temps de sortir de ces assemblées qui prêchent l'argent, qui prêchent la prospérité. Il est temps de sortir de ces assemblées, n'est-ce pas, qui prêchent on ne perd pas le salut. Des assemblées complètement diaboliques qui disent aux chrétiens qu'une fois que tu t'es converti, tu peux vivre dans le péché. Et puis tu seras sauvé. Quel évangile diabolique! Il est temps de sortir de ces sectes pour revenir à la parole véritable, pour revenir à l'évangile véritable, à l'évangile du royaume. À l'évangile, n'est-ce pas, qui nous fait réaliser que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Paul dit que notre cité n'est pas de ce monde, notre cité elle est céleste. Fait donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Revenons au Père, revenons au Créateur, frères et sœurs. Vous qui me suivez, revenons au Créateur, revenons au Père éternel. Jésus est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de bonté. La grâce est encore disponible. Donc ici on apprend que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc le jour de Yahweh est un jour, n'est-ce pas, de terreur. Je ne veux pas vivre ce jour. Je veux être du bon côté. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, c'est possible d'être du bon côté. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Donc on apprend ici que la terre et tout ce qu'elle renferme est en voie de dissolution. Et en voie de quoi? De disparition. Et en voie de destruction. Ne nous attachons pas à la terre, frère. Ne nous attachons pas à ces choses. Ces choses-là sont en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? On parle de notre conduite. Comment nous comportons-nous au quotidien? Est-ce qu'on est chrétien le dimanche et le lundi au samedi, on vit comme on veut? On dit que notre conduite doit être sainte et notre piété. Parce que justement, il y a des chrétiens, il y a des hommes qui ont l'apparence de la piété. Donc on peut avoir une piété qui n'est pas sainte. Mais j'ai dit combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc ça veut dire qu'il y a une piété sainte, il y a une piété qui est en apparence. Justement, beaucoup de chrétiens sont dans les apparences. Lorsqu'on est seul, on peut suivre Novelas TV. Lorsqu'on est seul, on peut, n'est-ce pas, se livrer à la pornographie, on peut se livrer à tellement de choses dans nos téléphones, nos smartphones, on fait ce qu'on veut. Parce qu'on se dit que non, le frère ne me voit pas, le pasteur ne me voit pas. Mais Dieu nous voit. Lorsqu'on est seul, on peut convoiter les femmes. Lorsqu'on est seul au travail, on peut un peu faire des fraudes, des fausses factures. Mais Dieu nous voit. Voici pourquoi notre piété doit être sainte. C'est-à-dire que notre attachement à Dieu doit être saint. Parce que la piété nous parle de l'attachement à Dieu. Donc notre attachement à Dieu doit être saint. On doit s'attacher à Dieu de façon sainte, de façon pure, en le craignant, en nous éloignant de tout ce qui est iniquité, en nous éloignant aussi du mélange. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans le mélange. Ils sont dans le mélange. Un peu de Jésus, un peu de monde, un peu de Jésus, un peu de religion. Donc notre piété et notre conduite doivent être saintes. Comment on se comporte? Comment on se conduit au quotidien, à la maison, au lycée, à l'université, dans le lieu de travail? Comment on se conduit partout où on passe? Quelle est l'image qu'on donne?
Quelle image qu'on reflète? Quel est le parfum qu'on dégage? Est-ce que lorsqu'on nous voit, on peut dire facilement que telle personne est chrétienne? Ou lorsqu'on nous voit, on dit non, lui là, ah, il n'est pas chrétien. Notre conduite doit être sainte. Verset 12. Il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammeux se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est l'espérance des chrétiens. Les nouveaux cieux, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quand j'ai lu ce passage, je réalise que Seigneur, la vie qu'on mène actuellement est vraiment passagère. Parce qu'on nous parle des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Si on nous parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres, ça veut dire que cette terre va être détruite. Cette terre va passer. Ne nous attachons pas à la poussière. Ne nous attachons pas à la vanité. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Ne recherchons pas à nous enrichir. Parce que Jacques dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de tourments. Ne cherche pas à faire de la politique parce que tu veux avoir de l'argent. Ne cherche pas à rentrer dans un parti politique. Dieu ne t'a pas sauvé, il ne t'a pas sauvé pour faire de la politique. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide, frère. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que la terre sur laquelle nous vivons va être complètement détruite. Et qu'est-ce qu'on apprend au verset 14? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Pourquoi il nous parle de la paix? Parce que justement, beaucoup d'hommes ne sont pas en paix avec Dieu. Parce qu'on apprend dans 2 Corinthiens 5 que Jésus veut nous réconcilier avec Dieu. Donc, tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas en paix avec Dieu. Et Jacques nous dit quoi? Que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, tous ceux qui ont refusé Jésus, tous ceux qui ne prêchent un évangile qui s'éloigne de la sainteté, du retour du Seigneur, de la résurrection des morts, sont considérés comme étant ennemis de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'en attendant son avènement, en attendant son retour, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tâche. C'est quoi la tâche? La tâche, c'est l'image du péché. La tâche, ça peut être l'image de la haine du Congo, ça. La tâche, c'est tout ce qui. Dans nos vies, n'est-ce pas, n'agrée pas, que Dieu n'agrée pas dans nos vies. C'est ça la tâche. La tâche. Elle peut être grande, comme elle peut être petite. Et nous, facilement, les grandes tâches, on a arrêté. Impudicité, pornographie, ces grandes tâches, c'est facile de les balayer. Mais il y a de petites tâches dans nos cœurs. Il y a des petites tâches dans nos vies que nous laissons, telles les mauvaises pensées que nous nourrissons au quotidien. Tel l'état de nos cœurs qui est toujours dans la rancune, la rancœur, l'amertume, l'orgueil, la vantardise. Ces petites tâches aussi, Dieu les voit. Dieu voit tout. La Bible nous dit que tout est à nu à découvert devant le Seigneur. Parce qu'il y a les sept yeux de Yahweh. Il voit tout. Que Dieu nous aide à être irréprochables. Alors, c'est quoi être irréprochable? Être irréprochable, c'est simplement être sans reproche. Mais est-ce qu'une personne qui est sans reproche, c'est une personne qui ne commet pas d'erreur? Non. On peut commettre des erreurs parce qu'on est faillible. Mais être irréprochable, c'est lorsqu'on commet des erreurs, c'est savoir reconnaître nos erreurs, savoir reconnaître que là, Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi, et savoir demander pardon à Dieu et avancer. C'est ça, être irréprochable. Si on a blessé quelqu'un, on va rechercher la paix en demandant pardon. On devient irréprochable devant Dieu. Soyez irréprochable, parce que le jour du Seigneur est proche. J'ai dit verset 15, que croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit sur la sagesse qui lui a été donnée. La patience de Dieu est notre salut. Voyez ici, Pierre nous interpelle par rapport au retour du Seigneur, par rapport au signe qui annonce l'avènement du Seigneur. On apprend que la patience de Dieu est notre salut. La patience de Dieu est notre délivrance. Amen. On va prendre un deuxième passage. Dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Donc on parle de la fin des temps, on parle des signes, on parle des caractéristiques de la fin des temps, on parle des signes de la fin des temps, des caractéristiques de la fin des temps. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On va s'arrêter ici d'abord. Paul aussi nous donne quelques caractéristiques de la fin des temps. Il nous parle ici de l'abandon de la foi. Et on le vit. Beaucoup de chrétiens qui ont réellement rencontré le Seigneur aujourd'hui se retrouvent, pour beaucoup dans le monde, pour d'autres ils se retrouvent dans le Seigneur, mais ne vivant plus pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils portent le nom de chrétien, mais la vie qu'ils mènent n'est plus digne d'un enfant de Dieu. Donc ici, il dit que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi, donc la foi authentique, la foi qui est bâtie sur la parole de Dieu, la foi qui est bâtie sur la personne de Jésus, ils abandonneront cette foi authentique, cette foi véritable pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc une autre caractéristique de la fin des temps, c'est l'abandon de la foi véritable. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alors c'est quoi ces esprits séducteurs? Et c'est quoi ces doctrines des démons? Doctrine des démons, comme doctrine des démons, on a l'exemple de la prospérité. On a la dîme. On a, n'est-ce pas, toutes ces offrandes. La offrande du pasteur, offrande des prophètes. On a toutes ces, n'est-ce pas, toutes ces pratiques qui sont des doctrines inspirées par les démons. On a ces pasteurs, n'est-ce pas, qui font des miracles en amenant des femmes couchées avec eux. C'est ça là. Les enseignements qui s'éloignent de la sainte doctrine, les enseignements des démons. Tels que invoquer boire le sang de Jésus. Voilà, on fait boire le sang de Jésus alors que son sang a coulé une fois pour toutes. On a encore quoi comme doctrine des démons? Invoquer le feu. Donc on invoque le feu, n'est-ce pas, sur nos grands-parents au village, mais c'est des sorciers. Alors que Dieu dit bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous font du mal. Cette doctrine, ces pasteurs nous enseignent, n'est-ce pas, la haine, la méchanceté, envoyer le feu, consumer nos parents. Cette doctrine des démons qui s'éloigne de la parole véritable. On a tellement de doctrines qui sont inspirées par des démons. Des doctrines telles que le combat spirituel. Le combat spirituel, là où chaque jour, matin, midi et soir, on donne les démons, 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 on s'occupe des démons, alors qu'on était créé pour adorer Dieu. Alors que par la mort de Jésus, la croix a complètement délivré des démons. Mais on passe tout notre temps, nos réunions chrétiennes, de célébrer Dieu, de s'encourager, on passe à faire la chasse aux démons. Tout cela sont des doctrines des démons, inspirées par les démons, pour faire quoi? Pour faire perdre aux chrétiens du temps. Il y a tellement de doctrines qui sont inspirées par les démons. Telle que cette doctrine qui était tout à l'heure, on ne perd pas le salut. C'est une doctrine de démons. Prospérité, doctrine de démons. Prêcher aux chrétiens, dire aux chrétiens que si tu ne payes pas ta dîme, tu iras en enfer. C'est une vraie doctrine satanique. Inspirée toujours par Satan. Cette doctrine qui enseigne, n'est-ce pas, qu'on peut se masturber. Cette doctrine qui enseigne, n'est-ce pas, qu'on peut vivre dans le péché, Dieu, le Dieu de grâce, la super grâce. Doctrine des démons. Cette doctrine, n'est-ce pas, qui ne prêche pas le retour de Jésus. L'évangile, n'est-ce pas, l'évangile social. L'évangile du social. L'évangile social. Prêché par certains prédicateurs. Voilà, venir à Jésus pour le mariage, pour l'argent, pour le travail. C'est comme si le sang de Jésus a coulé à la croix pour qu'on soit riche. C'est un évangile social. C'est une doctrine complètement diabolique. Donc ici on apprend que une caractéristique de la fin des temps, c'est l'abandon de la foi, un, et deuxièmement, l'attachement à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Justement, ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu, ils sont, n'est-ce pas? Ils s'attachent à des esprits séducteurs, ils travaillent avec des esprits. Comment peut-on concevoir que ces pasteurs, pour faire des délivrances, giflent les chrétiens? Comment on peut concevoir que ces pasteurs, pour faire des délivrances, n'est-ce pas, vont coucher avec les femmes? Comment on peut concevoir que ces pasteurs, pour faire des délivrances, ils font manger aux gens les herbes? Ça, c'est de la sorcellerie pure et dure. C'est ça la fin des temps. Il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas être décroisé à cause de ces pasteurs. On doit réaliser que quand on voit ces choses, c'est que Jésus est vraiment à la porte. Ils prêchent aux gens, ils font des connexions dans les assemblées. C'est le pasteur qui impose aux fidèles d'épouser telle sœur et pas X sœur. Et dans ces assemblées, les pasteurs ont pris la place des parents dans le cœur des chrétiens. Et ils cassent complètement les mariages, les foyers des gens. Pourquoi? Parce qu'il faut être à l'église matin, midi et soir.
On fête l'anniversaire du pasteur. C'est des doctrines diaboliques. Oh papa, je suis ton père spirituel, la couverture spirituelle. C'est des doctrines diaboliques. Et quand vous faites ces choses, sachez que nous sommes à la fin. La fin de toutes choses est proche, comme dit la parole de Dieu. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est quoi la marque de la flétrissure? C'est la marque de la bête, pour être simple. Voilà. C'est des hommes qui ont décidé eux-mêmes d'appartenir au diable. Ils savent, n'est-ce pas, ce qu'ils font. Ils sont conscients. Il faut pas les suivre. Même Jésus aux Juifs à l'époque, n'est-ce pas, aux Juifs, d'écouter les pharisiens, mais de ne pas faire ce qu'ils font. Parce que souvent, ils pouvaient avoir la lettre, dire des choses vraies, mais eux-mêmes, leur vie était complètement contraire à la parole de Dieu. Ces hommes-là, ils égarent le peuple de Dieu consciemment. Il ne faut pas les écouter même. Il ne faut pas les écouter. Et tout cela, c'est quoi le problème chrétien? C'est parce qu'on ne lit plus nos Bibles. C'est parce qu'on n'a plus de communion avec Dieu. Comment tu es chrétien? Tu fais une semaine sans lire ta Bible. Tu fais un, deux, trois jours sans lire ta Bible. Tu passes tout le temps devant la télévision, sur ton smartphone. Comment ne veux-tu pas être pillé par ces faux pasteurs-là? Jésus revient. C'est le temps de revenir à l'évangile pur, à l'évangile de la sainteté, à l'évangile de la crainte de Dieu. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient prêts avec action de grâce, pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà. Ils ont conjoint de ne pas se marier, mais à demeurer dans le péché. Voilà. On n'encourage pas les chrétiens à se marier, à mettre leur vie en ordre devant Dieu. Maintenant, on croise comme les chrétiens vivent dans le péché. Pourquoi? Parce que le monsieur, n'est-ce pas, donne pas une forte dîme, il donne beaucoup d'argent, on le nomme ancien. Alors que dans les Écritures, les anciens ne sont pas nommés, ils sont votés à main levée. Donc ici, Paul nous interpelle par rapport à ces signes de la fin des temps. Je veux comprendre aussi de Timothée, chapitre 3. Donc on parle vraiment des caractéristiques de la fin des temps pour que les chrétiens se réveillent. Pour que les chrétiens réalisent en quel temps nous sommes. C'est le temps de se réveiller enfin du sommeil. De Timothée chapitre 3, partie du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles, nous les vivons. Dans toutes les nations, le chaos est généralisé. Les temps sont vraiment difficiles. Les temps sont plus que difficiles. Et ces temps difficiles sont marqués par quoi? Par toutes ces crises financières, par toutes ces crises économiques, par toutes ces crises. Et pour moi, la plus grande de toutes les crises, c'est la crise morale. On a perdu le bon sens. Par la légalisation du mariage homosexuel, on a perdu le bon sens. N'est-ce pas? Par le fait d'enseigner depuis le pré-primaire, la maternelle, le primaire, n'est-ce pas, la sexualité aux enfants. On a perdu le bon sens. C'est ça la crise. Les temps sont difficiles. On ne sait plus à quel saint se vouer. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. La pédophilie est devenue normale. Voilà. Il y a tellement de doctrines diaboliques. Les temps sont tellement difficiles. Voilà, les gens sont devenus bisexuels, le transgenre. On peut changer les sexes. On peut aller avec les hommes et les femmes en même temps. Voilà, les temps sont difficiles. À cause de la chaleur, les gens se dénudent de plus en plus. Il n'y a plus de pudeur. Et les parents se retrouvent pour certains avec les enfants dans les bars. Les temps sont difficiles. Donc on apprend ici que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous vivons ces choses, nous les vivons pleinement. Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Certains aiment leurs petits copains, leurs petites copines plus que Dieu. On aime le mensonge plus que Dieu, on aime, n'est-ce pas, le péché plus que Dieu. Donc, les caractéristiques de la fin des temps, les hommes seront égoïstes, on le voit. Quand certains chefs d'État sont au pouvoir depuis autant d'années, ne veulent jamais laisser le pouvoir, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est ça le cœur de l'homme, la méchanceté. Les hommes sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes.
Plus personne ne pense à son prochain. On peut avoir, n'est-ce pas, nos voisins qui sont dans la précarité. On a des gros 4x4, on vit bien, on ne pense pas aux autres. C'est ça l'état de la faim. Les hommes sont égoïstes. On a perdu la notion du bien. On a perdu la notion de la bonté. On ne sait plus faire le bien. On est égoïste. On ne pense qu'à nous. Tout doit être centré sur nous. Que nous et jamais les autres. Pourquoi? Parce que les hommes sont amis de l'argent. Amis de maman. Dieu, Jésus l'a clairement dit dans l'évangile. Tu ne peux pas servir Dieu, maître, deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et voici pourquoi beaucoup de ces pasteurs ont fait nos phrases par rapport à la foi. Parce que maman, c'est leur ami, le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent. Donc, dans les temps de la fin, les hommes seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains. Voilà. On aime prendre de la hauteur, on aime se vanter, se montrer, se faire voir, penser, n'est-ce pas, que nous sommes meilleurs que les autres. Blasphémateurs, ils passent le temps à blasphémer. Blasphémer par rapport à la parole de Dieu. Dire des mensonges. C'est ça, blasphémer par rapport à la parole de Dieu. C'est dire des mensonges. C'est accuser le Seigneur. On blasphème, on dit des mensonges. Et on le voit pleinement. Combien des hommes, combien d'humains, des créatures de Dieu passent le temps à insulter le Seigneur, à blasphémer contre son nom. Et pour les jeunes, pour les enfants, ils sont rebelles à leurs parents. On le vit, on le voit de plus en plus. Moi, je suis choqué d'entendre certaines histoires. Des enfants qui frappent les parents, qui grondent leurs parents, et qui vont même à violer leurs parents. Certains enfants le font. Le mal est vraiment, ne fait que grandir. Ça fait peur. Donc, c'est un signe de la fin des temps. Ils seront, n'est-ce pas, rebelles alors par la rébellion. On ne peut plus, les parents ne peuvent plus conseiller les enfants. Si un parent conseille un enfant, il s'élève, il sort les griffes. N'oublions même que ce sont nos parents qui nous ont mis au monde. Donc, ils seront insensibles. Insensibles. C'est quoi le fait d'être insensible? C'est le fait de fermer ses oreilles à la parole de Dieu. Et de plus en plus, les hommes ferment leurs oreilles à la parole de Dieu. Ils ferment les oreilles. Ils ferment les oreilles. Lorsque l'évangile est prêché, c'est comme si ça les énervait. Voilà. On dit qu'ils sont déloyaux. Il n'y aura plus la loyauté. Il n'y a plus la loyauté. C'est quoi le fait d'être loyal? C'est le fait d'être intègre, d'être correct. Et les gens deviennent de plus en plus déloyaux. On n'arrive plus à tenir nos engagements, nos promesses. Il n'y a plus la loyauté. La loyauté a quitté le cœur des chrétiens. La loyauté a quitté le cœur des humains. Quand on a des hommes qui sont amis à certaines personnes, mais d'ailleurs leurs amis qui sortent avec les femmes de leurs amis, il n'y a plus la loyauté, il n'y a plus d'amitié véritable. Les maris qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent les maris. Et bien plus encore même, les chrétiens qui trompent Dieu. Qui trompe Dieu, parce que le Seigneur nous a fiancés, nous a épousés. Lorsqu'on vit dans le péché, on trompe Dieu. Ça fait aussi partie des signes de la fin des temps. Calomniateur, intempérant, cruel, la cruauté a gagné nos cœurs. Les hommes sont de plus en plus cruels. Donc c'est le temps de rentrer dans l'arche. C'est le temps de revenir au Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. On dit qu'ils seront calomniateurs. C'est à la calomnie. Quand on parle du Congo, ça, des critiques, les hommes sont de plus en plus dans ces choses. Alors le but de ce message, le but de ce partage, c'est pas de nous condamner. C'est de nous dire, Jésus nous tend la main. C'est de nous dire, il est possible encore de rentrer dans l'arche. Il est possible de se réconcilier avec Dieu. Voyez, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Et vous voyez ces signes, où ces caractéristiques de la fin des temps sont censées amener à réfléchir, à nous réveiller du sommeil, à sortir de la tiédeur spirituelle. C'est vraiment le temps, n'est-ce pas, d'examiner sa vie. C'est vraiment le temps, n'est-ce pas, d'examiner la façon dont nous vivons, dont nous marchons, dont nous vivons notre chrétienté. Parce que la vie chrétienne, la vie avec Dieu n'est pas une religion. C'est une relation, c'est une intimité, c'est une communion avec Dieu, frère. On dit, verset 4, ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Oui,
On doit s'éloigner de ces hommes qui portent le nom des chrétiens, mais qui vivent consciemment dans le péché et qui ne veulent pas se repentir. On ne peut pas collaborer avec des faux chrétiens. On peut faire des alliances, n'est-ce pas, avec des gens qui ont renoncé à Jésus. Donc il y a autant de signes qui nous annoncent que Jésus revient. Il y a autant de caractéristiques qui nous annoncent que Jésus revient. Je vais revenir sur les temps difficiles, avec le réchauffement climatique, avec toutes ces crises. Les temps sont difficiles. Avec tous ces tsunamis dans ces pays asiatiques, avec ces tremblements de terre, ces catastrophes naturelles répétées, les temps sont difficiles. De plus en plus, le chômage ne fait que grandir. Pour avoir du travail, il faut appartenir à des loges, à des sectes. Pour avoir du travail, il faut faire des pratiques bizarroïdes. Les temps sont difficiles. Si tu n'as pas Jésus, si on n'a pas Jésus, on ne peut pas vivre ces temps-là. Parce que le but justement de Satan, c'est tellement nous oppresser, nous opprimer, n'est-ce pas, pour renoncer à Jésus. Tenons ferme, tenons bon. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit sauvé. Alors revenons à notre Créateur. Alors revenons au Seigneur. Voici un peu fait que la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, partager avec vous ce soir, les signes de la fin des temps, les caractéristiques de la fin des temps, les temps difficiles. C'est le temps chrétien de sortir de la distraction. C'est le temps chrétien, n'est-ce pas, de réaliser qu'on doit bâtir notre vie avec le Seigneur. La Bible va nous enseigner dans Matthieu 7 que ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, sont semblables à des hommes qui ont bâti leur maison sur le roc. Et les vents ont soufflé contre cette maison, elle n'est pas tombée. Oui. Et ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, la Bible dit qu'ils sont semblables à des hommes qui ont bâti leur maison sur le sable. Et moins une épreuve, moins une situation, la maison va s'effondrer. Pratiquons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Ceux qui partagent, comme moi ce soir, on est meilleur que personne. On veut simplement se battre pour craindre Dieu. On veut simplement se battre pour régler aussi nos vies avec le Seigneur. Parce qu'on peut voir des masses dans la Bible qui a marché avec Paul et qui abandonnent le Seigneur à cause de l'amour du siècle présent. Il y a beaucoup de chrétiens seulement qui abandonnent Jésus, qui abandonnent le Seigneur à cause de l'amour du siècle présent. Le siècle présent éloigne beaucoup des hommes de Dieu. L'amour des grands téléphones, des smartphones, l'amour des ordinateurs, l'amour de tellement de choses nous éloigne de Dieu. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Revenons vraiment au premier amour. Revenons au premier amour. Revenons aux premières œuvres. Revenons aux premiers ailes. Revenons à notre premier amour, frère. Les temps sont difficiles. Les temps sont vraiment mauvais. La fin de toutes choses est vraiment proche. Et Jésus lui-même dans Matthieu 24, il nous parlait des guerres, des bruits de guerre, de famine, des fléaux, des tremblements de terre. On voit ces choses. On voit ces choses. Dans beaucoup de pays, c'est des crimes rituels. Voilà, on veut passer au pouvoir, mais notre pouvoir est basé sur le sang humain. On doit revenir au Seigneur parce que le Seigneur va nous dire dans l'Apocalypse qu'il revient bientôt et sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oui, on doit réaliser qu'on passera tous devant le tribunal, devant le jugement de Dieu. On passera tous devant le trône de Dieu. C'est pourquoi on doit régler nos vies. C'est pourquoi on doit vraiment régler nos vies. Il dit qu'il revient bientôt et sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voilà, Jésus revient à toute vitesse. Jésus revient à vive allure et sa rétribution avec lui pour nous rendre, pour rendre à chacun de nous selon nos œuvres. Quelles sont les œuvres que nous pratiquons? Quelles sont les œuvres que nous pratiquons? Parce que Jésus va nous rendre selon les œuvres que nous aurons pratiquées. Jésus revient bientôt. La fin de toutes choses est proche. Réglons nos voies selon la parole de Dieu. J'espère avoir été clair par la grâce du Seigneur.
C'est juste un partage pour nous interpeller, pour nous encourager à revenir au Père, à revenir au Seigneur. Et pour terminer, je veux juste nous parler de l'histoire de l'enfant du fils prodigue qui a voulu de son héritage, qui a dilapidé tous ses biens comme il a voulu. Mais lorsqu'il est revenu à son père n'a pas dit tu as pris ton héritage, tu as fait ce que tu voulais, je te rejette, je te vomis, je ne veux plus de toi. Son père a accueilli le fils. C'est l'image du cœur du père. Peu importe nos fautes, nos faiblesses, nos manquements, si on revient à Dieu sincèrement, il va nous accueillir. Que la paix de Dieu garde nos cœurs, que la paix de Dieu garde nos pensées, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Pour terminer, je voudrais prier un instant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Le but de ce partage n'est pas de condamner, mais le but est de nous interpeller à revenir à toi. Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi. Seigneur, nous avons tous besoin de revenir à toi. Va présentement toutes ces personnes qui sont dans le péché, qui sont dans la débauche, qui sont dans le mal, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans les religions, toutes ces personnes qui sont éloignées de toi, Seigneur, qui te recherchent, mais en t'attendant, Seigneur, attire-les à toi. Car nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Attire tous ces hommes et toutes ces femmes à toi. Attire la jeunesse à toi. Attire nos parents, attire nos familles à toi, Seigneur. Attire les nations à toi, car tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Que la gloire te revienne pour ce partage, pour cet échange. Au nom de Jésus, Amen. Donc bonne soirée chez vous et que Jésus vous garde. Merci.